Jacques Genin, les Paris-Brest sont préparés à la minute hein, chez vous. À la minute et toujours. Et ce sera toujours. Et pourquoi? Parce que, tu vois une cuisson? Ça, ça sent bon. Tu sais, ça sent les pâtes fraîches. Et c'est ça que je veux. Voilà, les Paris-Brest, il doit être un peu gavé, un peu plein, tu vois, il faut que tu arrives à croquer dans la mienne. Voilà, quand tu as ça, c'est juste magnifique. Alors, c'est les éphémères, oui. Un chat côté. Non, pas de cacao, rien du tout. Non, non. Alors, Jacques Genin, donnez-nous trois synonymes de gourmandise. Trois synonymes. Synonyme, sensualité, sexualité. Et envie. Votre gourmandise préférée, Jacques Genin? La tarte tatin. Si vous pouviez retourner en arrière, Jacques Genin, est-ce que vous referiez le même métier? Le même métier, mais peut-être encore avec plus de fruits.
Canal Gourmandise, c'est toujours l'heure de dévorer une gourmandise. À vous. Ça, c'est bien. C'est du chocolat chaud, Jacques, c'est ça. Hein. Chocolat chaud. C'est un... chocolat chaud, ouais. Juste une pointe épicée, une pointe de crème, une pointe de douceur et une puissance, une belle puissance de cacao. Ça, ça donne des forces. Je vous y invite. Des forces? Pour le moral, oui. C'est une grande force. Après, le physique, ça suit. Quand tu as le moral, tu as le reste. Le chocolat d'abord. Est-ce que vous seriez de ceux qui nous diraient en permanence « Vive le chocolat » Je pourrais le dire. Vive le chocolat, vive le vin, vive les beaux plats, vive la gastronomie et surtout les gens qui les accompagnent. Ça, c'est important. 1, 2, 3. On la refait, les plus joyeuses. 1, 2, 3. C'est toujours l'heure de dévorer une gourmandise.